Je savais que ça allait être difficile. Je savais qu'en tous les cas, ça allait être beaucoup plus difficile d'entraîner que de jouer. Et je vous confirme que c'est beaucoup plus difficile d'entraîner que de jouer. Oui. FIFA 21's career mode has had a massive overhaul. I'm talking wholesale changes that revolutionise the game mode and reflect the challenges facing an elite level manager. Being a huge career mode fan myself, I want some tips for taking on this year's version, so I'm going to pick the brains of one of the world's best gaffers, Zinedine Zidane, for a unique insight into top level management. Salut Zinedine, ça va? Bonjour. C'est un vrai plaisir pour moi. Plaisir partagé. Alors, première question, c'est très simple, c'est facile. Qu'est-ce qui fait un bon entraîneur? Un entraîneur, parce qu'avant de dire un entraîneur, c'est il faut qu'il se prépare. Il faut qu'il se prépare, il faut qu'il se prépare à des choses qui sont parfois très compliquées à gérer dans une saison, parce que la saison, quand elle commence, elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête jamais. Et ça, c'est moi. Ça, moi, j'adore ça. C'est-à-dire que préparer mes joueurs, préparer l'équipe, se préparer tous ensemble pour essayer éventuellement de gagner le plus de choses possible. Vous pouvez me dire jusqu'à quel point le match sharpness peut vous donner l'avantage dans le match? Et comme dans FIFA 21, c'est-à-dire à quel point le joueur est préparé mentalement mais aussi physiquement? Le joueur, on lui demande beaucoup. Enfin, tous les matchs qu'il y a dans une saison, on peut arriver à 55-60 matchs. Il y a le physique, il y a la technique, il y a beaucoup de psychologie aussi là-dedans. C'est important le rapport que j'ai avec mes joueurs. Par contre, il faut avoir un dialogue constant avec le joueur. Si le joueur arrive à vous comprendre et vous comprenez le joueur, là, il peut se passer quelque chose d'intéressant. Dans la mode carrière de FIFA, pour les moments décisifs et importants, on peut contrôler et en fait jouer. Et pour vous, est-ce qu'il y a des moments où vous aimeriez contrôler le match et en fait jouer vous-même? J'aimerais, oui, de temps en temps. J'aime pas trop être assis, être loin de mes joueurs. Enfin, l'ADN du club, c'est de gagner. C'est quand on est sur le terrain, c'est de donner le maximum pour gagner. Donc forcément, de temps en temps, comme j'étais joueur et que j'aime ça, au bout de 2 minutes, si vous voulez, ça me passe. Parce que, parce qu'il faut que je reste concentré sur mon travail à moi, qui est d'être en dehors du terrain. Et aussi, dans la mon carrière de FIFA, comme manager, on peut changer les postes des joueurs. Comment approchez-vous en termes de management de changer un joueur de poste? Un joueur doit avoir plusieurs fonctions dans l'animation du jeu de son équipe. Dans l'animation, oui, il faut que ça change. Il faut qu'on puisse avoir mettre de la folie et de la créativité dans tout ce qui est l'animation offensive en tous les cas. FIFA 21 a amélioré l'intelligence artificielle. Et vous pensez qu'en vraie vie, le niveau global a progressé et il n'y a pas de match facile maintenant, il n'y a pas de underdog? Il n'y a plus de petites équipes, oui. Il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petits joueurs. C'est fini tout ça. Je crois que chaque équipe, si elle est bien préparée, elle peut gagner n'importe quelle équipe. Et en même temps, je crois que c'est ce qui rend le foot encore plus intéressant aujourd'hui. C'est que, enfin moi j'adore cette chose-là, ça veut dire qu'il faut être bien préparé. C'est-à-dire que si vous jouez une équipe de bas de tableau, si elle est mieux préparée que vous, si elle est mieux physiquement, si elle met plus d'envie que vous, si elle met plus de motivation que vous, elle vous gagnera. Quand vous étiez joueur, avec quel joueur de l'histoire vous auriez aimé jouer? Il y en a plusieurs, mais il y a surtout forcément un joueur avec qui j'aurais aimé jouer. C'est forcément le joueur avec lequel c'était mon idole, c'était Enzo Francescoli. Oh wow! J'ai eu la chance de jouer avec lui, mais j'ai joué contre lui et il m'a offert son maillot. Et mon rêve quelque part, bon je vous le dis puisque on est dans les anecdotes, mon rêve c'était aussi de dormir avec son maillot. Donc j'ai pu réaliser ce rêve, c'est-à-dire mettre son maillot et dormir avec. Alors mon épouse a été un peu, elle s'est moquée un peu de moi.
parce qu'il y avait beaucoup de publicité sur le maillot, mais j'ai réalisé mon rêve. Et la dernière question, c'est encore simple, mais quel conseil donneriez-vous à Zidane, joueur qui voudrait devenir entraîneur? Se préparer. Zinedine, merci beaucoup pour votre temps et votre connaissance, votre expérience. Salut, au revoir. Oui, au revoir. À bientôt. Oui, à la prochaine. À la prochaine.